Bonjour, je m'appelle Xavier Jouven, je suis professeur de cardiologie et j'ai monté avec tous mes collaborateurs le centre d'expertise mort subite. Alors la mort subite c'est quoi? La mort subite, on l'appelle un peu arrêt cardiaque en langage courant, mais le mot arrêt cardiaque, tout le monde finit par mourir d'un arrêt cardiaque. Donc la mort subite c'est plus précis, c'est le langage médical et c'est dû le plus souvent à une brusque accélération du cœur. Qui se contracte tellement vite qu'il ne peut plus se remplir, le sang n'arrive plus au cerveau, la personne perd connaissance. Donc, comment on fait le diagnostic? C'est quelqu'un qui tombe brutalement, inconscient, et qui ne respire plus ou plus normalement. J'ai monté le centre d'expertise mort subite, qui est entre l'INSERM, la science publique et l'université, à l'hôpital Robin-Georges Pompidou, et ce centre a pour but de faire travailler ensemble tous les acteurs qui interviennent sur la mort subite, les secouristes, les pompiers, les gens du SAMU, les médecins urgentistes, les réanimateurs, les cardiologues, les psychologues, bref, que tout le monde partage son expertise, son expérience, et ce, pour les patients. Alors, les patients qui font une mort subite, maintenant, vous le savez, il faut tout de suite appeler le 15 ou le 18 et débuter un massage cardiaque, afin d'avoir un défibrillateur le plus vite possible. Vous faites le massage cardiaque, les deux mains tendues, les bras tendus au milieu du thorax, et vous massez à peu près, vous enfoncez le thorax sur à peu près 5 cm, environ 100 fois par minute, jusqu'à ce que quelqu'un vienne vous aider. C'est ça la prise en charge de la mort subite. Maintenant, il y a les morts subites, les patients qui ne s'en tirent pas. Et maintenant, il faut faire un bilan chez les frères et sœurs, lorsque la mort subite survient avant l'âge de 60-65 ans. Et c'est le but des consultations prévention mort subite. Il y a un petit bilan assez simple qu'on propose justement au centre. Bref, c'est plus le destin, la mort subite. On peut lutter contre la mort subite, on peut sauver des vies. Il y en a 40 000 par an en France, des morts subites. Et jusqu'à présent, le taux de survie était de 3%. Il commence maintenant à arriver à plus de 9%. On enregistre tous les cas de mort subite sur Paris et Petite Couronne et on analyse les cas. Ça permet d'avancer dans la recherche. Mais c'est vous, c'est le témoin qui être le plus efficace, puisque si vous ne faites rien, la personne n'a aucune chance de s'en tirer. Si vous faites quelque chose, même si ce n'est pas très bien, c'est vous donner une chance aux gens de s'en tirer. Donc faites-le massage cardiaque, appelez les secours et envoyez chercher un défibrillateur.